Alors bonjour, bienvenue sur Game Dev coder Donc nous allons voir dans cette seconde partie euh, de, de la vidéo de, de génération, je dirais, de quand de, 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 je vais dire ça, pour générer hein, tout simplement les solutions euh, d'un level, hein, puisque euh, nous avons euh, vu qu'il y a certains levels où il y a un peu plus de qu'il peut y avoir beaucoup de, de solutions et de les générer tout simplement manuellement, une par une, euh, pouvait être une source d'erreur ou d'oubli. Donc euh, on a décidé de euh, mettre en place par moyens euh, mathématiques la possibilité de générer toutes les permutations possibles de façon à pouvoir euh, générer une table de solutions qui soit complète euh, et qu'il n'y ait pas d'oubli. Hein. Donc de générer ça de façon mathématique. Alors, on a sur la vidéo précédente euh, essayé de générer... Toutes les combinaisons d'un coup, euh, et notamment, on a été plus qu'excessif puisqu'on a fait même des des tests, des tests euh, que je dirais n'avaient pas d'utilité, euh, pas d'utilité et donc on est arrivé et était arrivé à 300 000, 11, à 311 000, un peu plus de 300 000 euh, lignes de solutions, ce qui ralentissait, même si le jeu était encore jouable. Euh, considérablement je dirais euh, le jeu et surtout euh, la taille en mémoire euh, était, euh, était beaucoup plus importante plus importante et euh, que le PC notre ordinateur euh, générait euh, euh, en termes de ressources processeurs 98% euh, je dirais, de ces de, de ressources, ce qui était considérable. Alors, on a revu, du coup, euh, la façon de faire. Alors, je, je rappelle, on avait dit que nous allions donc travailler d'une autre façon, c'est-à-dire d'abord générer toutes les solutions des quatre permutations ici. Et si jamais c'était, euh, si cela y échouait, ben on arrêtait les tests. Si euh, les, euh, ben si, si euh, la solution à l'alignement des quatre euh, premiers atomes euh, était donc réalisée, on passait au test suivant et ainsi de suite. Voilà. Ce qui nous a euh, permis de d'économiser puisque du coup on fait 24 tests ici 24 permutations ici 24 permutations ici et 24 permutations je dirais avec la boule rouge euh, de test sur la boule rouge voilà donc on voit que le jeu est beaucoup plus beaucoup plus rapide on retrouve notre petit anneau puisque nous générons à chaque fois 24 Permutation, donc résolution. Et nous euh, retombons sur, euh, je dirais, euh, la même. Euh, euh, comment je dirais ça? Le, le même type de fonctionnement euh, que précédemment avec une petite nuance c'est que le jeu est beaucoup plus euh, rapide et donc euh, beaucoup plus jouable alors on va revenir à une solution. Voilà. Euh, toc, toc, toc. Alors... Alors là on résout les possibilités en X hein, je rappelle. Hein. Voilà. Donc là vous voyez pour lui il a il a euh, résolu en X hein, euh, le puzzle. Hein. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu que Alors, même si là le, le, la solution n'est pas bonne, hein, on voit bien que là la solution serait bonne ici. Serait bonne. D'accord. Là ici, si je décale lui, il n'est plus bon, mais si je remets tous les l'alignement euh, de, de, de ces atomes là, la solution est bonne. Si je décale lui, c'est plus bon. D'accord. De même que là ici, c'est toujours bon, puisque en x. Si je prends ici x, ben j'ai bien lui plus 1 qui donne lui, <laughs> et plus 1, lui plus 1 égale lui. Donc on est toujours bon. C'est-à-dire que là, on a bien euh, l'attendu, c'est-à-dire euh, la, 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 la possibilité de tester que ces quatre atomes ici sont bien alignés, qu'importe l'ordre d'alignement, que ces... Six atomes ici sont bien alignés tiens, sur, la même, euh, sur le même axe X, hein, sont bien donc alignés. Hein, et que cette, les quatre atomes ici sont bien également alignés. Hein. C'était l'attendu. Alors, en termes de ressources au niveau du processeur, nous en sommes à combien de coûts Bon voilà, donc on était ici. Alors, hop, processeur, love. Donc on n'est plus qu'à 15 euh, utilisations au niveau du, des ressources du, du processeur, qui est quand même encore euh, encore conséquent. On verra comment on peut, euh, si c'est possible de réduire euh, ce nombre de process, mais on est surtout descendu à 120 752 kg. Je rappelle que précédemment... Si vous, voyez, vous allez voir euh, la vidéo précédente, on était presque à 1 giga. En termes de performance du processeur, euh, le processeur est toujours très sollicité puisqu'il tourne à peu près... 97% de, euh, de, ses, de, 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 de ses capacités. Il est presque utilisé à 100%, à 90%. Alors, est-ce que c'est le fait de, du jeu On va le voir tout de suite. On va le fermer. Et on va voir si du coup, ici, ça joue ou pas. Alors, on passait à 78%. 79%. Oui, donc on voit que là c'est un peu compliqué pour euh, savoir si on a une grosse un impact euh, vraiment significatif avec euh, avec notre jeu puisque il euh, y a euh, derrière euh, les, les les ressources du streaming qui euh, font que euh, euh, comment je vais dire ça que les, 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 le processeur ou fait tout simplement l'unité le, le, centrale est fort sollicité euh, du fait euh, que je stream hein, voilà donc on ne peut pas vraiment euh, alors après il faudrait pousser euh, sur le moniteur des ressources euh, voir qu'est ce qui prend beaucoup beaucoup de place Mémoire, au niveau du disque, au niveau du réseau. Bon, voilà, après on pourrait euh, chercher, hein, je dirais, euh, savoir quelle est la ressource qui euh, utilise euh, euh, l'UC. Hein. Bon, là on voit que euh, principalement c'est Chrome, hein, euh, ce qui en soit euh, est logique puisque euh, je, je. Voilà, bah, 35, 12, 10. Bon, c'est Chrome qui bouffe, hein, qui, nous, qui est chronophage en termes de, en termes de ressources. Bon. Voilà, donc on voit que le tableau euh, ou le programme génère le euh, level euh, rapidement maintenant, et il n'a plus une grosse, grosse latence. Euh, voilà et que euh, nous avons récupéré, voyez-vous ici, nous tournions euh, dernière fois la dernière fois à 4-5 euh, frames par seconde. On est revenu donc à quelque chose qui est plus raisonnable de l'ordre de 60 frames par seconde. On va un petit peu plus. Alors au niveau euh, source, qu'est-ce qui a été modifié? Bien ici maintenant on génère plus on ne fait plus la génération de l'ensemble des lignes de source de solutions des colonnes dans l'initialisation alors on a ici une fonction qui va générer les pour une ligne et une colonne c'est-à-dire ici, pour une ligne et une colonne, c'est-à-dire pour la ligne 1, colonne 1, euh, les solutions, hein, 12,1, 13, 13,1, 14, 14,1, ce que nous avons en outil ici. J'essaye ici, ici, point, 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 hein, c'est ça, ça que sert cette euh, cette fonction ici qui est génère, génération générer résolve gx line colonne pour une ligne et une colonne on va générer la, la, toute la le tableau hein, l'ensemble du tableau de solutions correspondant. On a une fonction génère résolve gx colonne. Donc lui pour une colonne donnée pour une colonne donnée, on va générer l'ensemble des solutions. Donc on va reprendre l'ensemble Pour une ligne et une colonne, nous savons que nous avons euh, bah, quatre colonnes. Quatre euh, ici, nous avons une, deux, trois, et ici, j'avais dit la dernière fois. 4 hein, donc euh, colonnes donc on va dire on prend euh, la ligne 1 colonne 1 la ligne 1 colonne 2 la ligne 3 colonne 3 la ligne 4 colonne enfin, vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire qu'on va euh, prendre l'ensemble des lignes de la colonne 1 que nous allons euh, créer euh, la, la, la liste des solutions je vais générer les solutions d'une colonne Donc pour la ligne 1 hein, si je reprends ici le tableau de solutions pour résolve vg de x résolve vg de x ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 24 lignes. Et donc pour chacune de ces lignes, je vais reprendre la colonne 1 et faire la ligne de solution de la colonne 1. Hein, générer chaque solution. Hein. J'ai une autre fonction qui, elle, va générer et tester. Donc, on va utiliser la fonction de génération. Donc, colonne, ici. Donc, pour chaque qu'une des colonnes. Donc là, si je reprends ici, pour qu'on qu vous compreniez, on va générer toutes les lignes de solution de cette colonne-là. On va les tester ce que j'ai dit hein, là, sur la dernière vidéo si il y a une solution s'il y a une solution on va générer toutes les solutions de cette colonne ci et on va tester s'il y a une solution celle-ci s'il y a une solution celle-ci si arrivé à la fin et eh ben tout a été testé c'est que on a trouvé on a résolu hein, tout simplement euh, notre puzzle si maintenant je génère la colonne 1 elle est bonne. Je teste la colonne 2. Ah, la colonne 2 n'est pas, pas résolue. On n'a pas une combinaison qui permet de résoudre la colonne 2. Dans ce cas, on arrête là, on ne teste pas les deux autres colonnes. Ça ne sert à rien puisque nous n'avons pas passé euh, un contrôle. Ensuite... ici donc dans, nos résolu dans la table des, dans la fonction résolve hein. si nous n'avons pas dans notre tableau de résolution ici résolver g si nous n'avons pas ça dans ce cas c'est qu'on est sur l'ancienne méthode donc on va refaire ce qu'on faisait avant résolver x et résolver y sinon on va euh, bah faire euh, la résolve g de x. Résolve g de x, on va donc générer pour chaque colonne, comme on vient de voir, les solutions testées par colonne, comme nous venons de le faire. C'est tout ce que j'avais donc à, à notifier le reste du programme ne change pas. Alors si une sauce que euh, vous pourrez peut-être dire euh, que c'est pas bien. Hein, euh, ici, vous voyez que je fais le test. Hein, je teste si euh, il existe hein, euh, un tableau résolve VG. VEG. Dans, euh, dans le fichier de résolution, est-ce que ce, cette variable existe? D'accord Là ici, je ne le teste plus. Or, j'utilise une taille d'un tableau ici. Bon, comme le test, il est fait ici, je ne le recontrôle pas. Voilà. Certaines personnes pourraient dire ah bah oui, mais vous, tu testes ici une taille de solution, de résolution. Mais tu vérifies pas que le tableau existe. Oui, pareil que là. Hein. Le test est fait donc en amont ici. Alors, donc si j'arrive ici, c'est que ce tableau existe. Voilà, c'est pour ça. Donc, pas besoin de s'embarrasser, je dirais, de tests complémentaires. On pourrait les rajouter. Mais pour moi, je pense que ça se vrai que... Euh D'alourdir, je dirais, hein, tout simplement, euh, le code. Alors, j'en profite pour également vous montrer comment vous pouvez faire un commentaire sur plusieurs lignes. Donc, tirer, tirer, deux euh, crochets ouverts, deux crochets fermés, tirer, tirer, et vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Là, ici, vous avez un commentaire linéaire, ici. Voilà. Commenter vos sources. C'est important de bien commenter vos sources de façon à ce que vous puissiez euh, vous euh, y retrouver si un jour vous revenez dans, euh, euh, dans votre programme. Donc là, vous voyez bien, la fonction résolve g de x teste les solutions de chaque colonne du tableau résolve g.x. Le test se fait colonne par colonne. Et quand on reprend, donc pour ces pour colonne égale 1 de la dimension x de 1 donc euh, on sait que ici il y a 1 2 3 4 colonnes donc on reprend pour chaque colonne on génère les résolutions on génère la résolution par colonne de c donc colonne 1 on teste la résolution si la résolution est égale à false, c'est que la colonie n'est pas passée. Et dans ce cas, on quitte. Alors, j'aurais pu faire un break. J'ai fait un retourne. Le break quitte la fonction, le retourne. On aurait pu faire un break. Bon, moi, j'ai pris cette habitude. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude. C'est que je fais un retourne. Donc, je retourne rien. Donc, on aurait pu utiliser le break. Hein, je rappelle, le retourne renvoie, donc, un retourne, fait un retour de fonction, donc, renvoie une valeur. Le break quitte le bloc, le bloc fort en cours. Si vous avez des... Des remarques par rapport à cela, cette façon de faire. Si vous connaissez la différence ou là, peut-être que c'est plus rapide de faire un break qu'un retour, mettez-le dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce qui est plus puissant, plus rapide et plus approprié que de faire un retour ou un break. Bon, moi j'utilise cette façon de faire. Bon, j'ai toujours fait. J'ai jamais eu de problème. Donc je continue de le faire. Mettons, peut-être que mettons un break, le break est beaucoup plus rapide qu'un retourne. Hein. C'est possible, hein, parce que le retour va retourner donc, euh, euh, dans, euh, je dirais, la pile. Euh, dans la pile euh, système, il va retourner une valeur, il va relouer une mémoire. Alors qu'un break, non, il quitte. Donc, pour moi, oui, peut-être qu'il serait ici plus judicieux de mettre un BREAK. Il ne changerait rien au programme. Hein. Il ne changerait absolument rien au programme, à part que si on fait un retour, le système va réserver une zone de mémoire de quelque chose qui est vide. Et donc, réserver un registre pour mettre quelque chose de, de rien de, de, de nul dedans. OK. Bon. On va retester. Normalement, c'est pareil, il n'y aura pas de, 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 de différence, je dirais, significative par rapport à ça. Voilà, Alors, on a exactement le, la, la même fonctionnalité. Alors, je vais afficher avec la lettre euh, D euh, les traces de débugage. On voit bien qu'on a re, ou de nouveau par eux notre fonctionnalité. Donc là, il est à false, et là, il est à true. Oui. À part que là, nous sommes sortis par un break. C'est-à-dire, on ne demande pas au, au compilateur ou à l'interpréteur de réserver quelque chose de vide en mémoire. On lui dit, tu sautes à la fin de la boucle. Et tu clôtures, euh, tu clôtures tout simplement le, 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 le la fonction, hein, voilà. Euh, ce que dire d'autre Voilà. Donc j'ai bien décomposé. Hein, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez euh, faire, c'est de décomposer à chaque fois euh, par fonctionnalité. Donc là, j'ai bien décomposé. Une fonction résolve vgx pour une ligne et une colonne je fais résolve vgx col pour une colonne et résolve vgx donc on voit que c'est une deux trois fonctions bah, fonctionnent tous les trois ensemble on régère on génère pour une ligne colonne donc malin et on génère pour une colonne complète il voilà, n'y bon, a pas plus à dire, je pense que les choses sont, sont, sont claires, enfin je l'espère. Donc si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas bien évidemment à les laisser dans, dans, dans la description, enfin, les, posez-les, et euh, je vous y répondrai. Bah, Mettons que nous avons fait la résolution de g2x, on va faire la résolution de g2y. Hein, C'est-à-dire ici, cette partie-ci. Et nous allons prendre, bah, pareil, euh, nos 24 possibilités. Alors, 12, 4, 8, 12, 5, 9. 12, 6, 6, 12, 7, 3, 11, 1, 13, 4, 8, 13, 5, 9, 13, 6, 8, 13, 9. Voilà. On va prendre, comme on a fait pour lui, hein, pour les X, prendre toutes les possibilités. Tout en essayant, bien évidemment, de ne pas retomber dans. Euh, je dirais, euh, l'excessivité et de vérifier le nombre de lignes de résolution. 24 par test, c'est bien. 311 000, c'est moins bien. Donc là, on voit qu'on a retrouvé, qu'on appuie euh, ici également euh, notre petit anneau lumineux. Quand on clique, voilà, notre petit anneau lumineux est, est retrouvé. Hein. Et le jeu est rapide, il fonctionne à 70, euh, 63, 64 euh, frames par seconde. Ce qui est plutôt, euh, plutôt pas mal avec un, euh, le stream hein, qui est derrière. Hein. Voilà, donc euh, je, ça c'était la fin de la partie 2. Il y aura donc une partie 3. Euh, avec la résolution des, de G de y, hein, résolution G de y, donc la génération euh, des solutions pour euh, les étapes de y. Alors, si je reviens ici, qu'on puisse euh, jeter, euh, qu'est-ce que je fais moi Je me trompe. Alors, hop si je reviens ici, hop, 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 alors, génération du Y, ah, comment on va tester ça Alors, il faut euh, voir comment on va tester ça. Euh... Alors, on voit que ici, celui-ci, cet un somme ici, est à 12Y, 12Y9, là, 13. Donc, on voit qu'ici c'est la colonne des 12. Donc, on voit que quand je suis ici, sur cette colonne ici, donc si je vais euh, vers le bas. Puisque ça ok c'est plus bon, ça c'est bon. Donc là on voit en effet que je ne suis pas bêté par cet atome ici. <coughs> Puisque celui-ci, pour qu'il soit attru au niveau des X, il sera donc forcément donc collé là-dessus, sur lui. Donc je peux directement entamer ici, c'est-à-dire je vais tester lui 24, lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui. Voilà. Euh... Hmm. Je voudrais pas retomber sur euh, ce que nous avons fait la dernière fois. Euh... C'est-à-dire retester euh, toutes... Euh, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je fais ça ici. Donc là, c'est 12, 4, 8, 13, 5, 9, 14, 6, 10, 15, 17. 11 qui est une solution alors je suis en train de réfléchir comment je vais 12 4 8 alors on voit on voit qu'on a toujours 12 4 8 12 4 8 12 4 8 donc 12-4-8, 12-4-8, 12-4-8. Alors je suis en train de réfléchir à comment je vais euh, euh, pour pouvoir ensuite dispatcher. Bah, ben, jusqu'à 8, c'est une solution. Je dois générer 12 plus 1, 4, 4 plus 1, 8. Ensuite, je vais dégénérer par colonne. C'est marrant parce qu'en horizontal, j'ai moins de difficultés qu'en. Qu'en horizontal, qu'en hein, vertical. Euh... Uh -huh. Okay. On voit bien que ici, ça sert à rien de générer euh, 12, 4, 8 à chaque fois. Hein? Comme ici, ça servait à rien de générer euh, 12 euh, plus un 13, plus un 14, plus un 15 à chaque fois. On générait euh, l'ensemble euh, des possibilités de la première colonne contestée. Donc ici il faut tout simplement tester 12, 4, 8, 12 5, 9, 12, 6 10, 12 euh, 7, 3 11. Pour la molécule de. Alors, puis douze. Euh Donc, on teste, lui, on teste lui. On teste lui. On teste lui. On teste lui. Ensuite, on teste lui. lui il euh, faut pas que j'oublie euh, une combinaison faut pas que j'oublie une combinaison Ouais, 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 ouais. Bon, moi, bah, je vais, euh, vais regarder comment je peux... Euh, comment je vais mettre ça en place. Je vais y réfléchir. Je veux vraiment pas euh, retomber dans les 310 000 possibilités euh, précédemment. Et re-ralentir le, le système. Donc, je pense qu'il faut générer euh, pour... Euh, générer pour lui ben, toutes ces possibilités là et tester donc est-ce que cette possibilité existe est ce que ça existe est ce que ça existe est ce que ça existe si oui on passe à la deuxième donc est ce que lui il existe 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 alors ce qui m'embête un peu c'est que là on pouvait faire les permutations euh, je dirais le euh, 3-4. Euh, je je n'arrive pas à le concevoir mentalement en fait. Euh Ouais. En fait, il faut que je teste lui, ensuite lui, ensuite lui, ensuite lui. Ouais, en fait, je suis en train de me... Euh, comment je dirais ça En fait, c'est qu'il faudrait que j'inverse. Euh, si vous préférez euh, la table, de faire un pivot vers la gauche et je reviens sur une résolution, je dirais, euh, un peu li linéaire comme ça, mais pour les Y. Bon, je vais préparer ça, je vous montrerai ça là. Euh, sur la vidéo suivante. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donc intéressé et que vous commencez à vous... vous dire que cette chaîne peut vous apporter des choses en termes de gameplay et de création de jeux vidéo, notamment en termes de résolution de complications, de, réso... de complications qu'on peut rencontrer dans, euh, je dirais, la création de jeux et que, ben que, vous, que vous continuerez à regarder cette chaîne alors n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous appréciez ce type de vidéo je vous souhaite donc une bonne journée et vous dis à la semaine prochaine au revoir